la vie de Christ dans un homme. Produire les œuvres de Christ, le Saint-Esprit dans un homme. Produire un chrétien, jamais pas. Quand je veux parler au lit, il prend ma bouche. Autre, car chaque semence. Devant, il est le Seigneur Jésus-Christ. La révélation. Derrière le Seigneur Jésus-Christ, il est le prophète. Le roi, tout l'appartenant. Derrière le prophète. Il y a passé firme. Il reste de mon corps. Et derrière firme, il y a cette église. La révélation de qui est Jésus-Christ. J'ai changé de nom. Les noms croyants, croyants. Je veux apprendre à connaître Jésus-Christ. Oui, il y a pas la main. C'est qui peut attirer. Nous avons pris tout le temps pour essayer d'expliquer à tes enfants l'importance de cette fête de Pâques. Nous ne voulons pas seulement une commémoration, mais nous voulons nous-mêmes être associés à ce grand événement, à cette grande chose que tu avais faite pour nos pères ce jour-là sur le calvaire. Et le premier jour de la semaine, tu étais ressuscité d'entre les morts. Nous voulons que cela puisse, ô Dieu, nous illuminer, apporter un plus dans la vie de chacun de nos seigneurs. C'est pourquoi nous te dédions cette semaine spéciale. Maintenant, Père, nous sommes en train de donner une leçon sur l'invitation que chacun de nous a reçue pour participer à l'enlèvement. Pour aller au souper des noces de l'agneau. Nous sommes en train de montrer à ton peuple que la préparation est individuelle. L'épouse de Jésus-Christ doit se préparer elle-même. C'est pourquoi elle dispose nos âmes à recevoir cette partie que tu nous as réservée pour ce jour. Donne-nous de pouvoir apporter ceci dans un temps record, comme tes enfants sont fatigués. Au nom du Seigneur Jésus. Nous savons, oh Dieu, que c'est un sacrifice que nous faisons. Mais tu n'oublies jamais les sacrifices des fils des hommes. Fait que tout sacrifice qui sera fait puisse être récompensé. Puisse-tu bénir les âmes et nous remplir du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, fait que les âmes assoiffées et affamées de la justice puissent être rassasiées. Tu es suffisamment de taille. Tu as suffisamment de nourriture pour nos âmes. Fait que nos âmes soient nourries suffisamment. Car tu avais dit que là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. En tant que des aiglons, les aigles de Dieu, nous voulons maintenant nous nourrir de la nourriture, de cette viande fraîche, le message de l'heure. Sois avec nos pères, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire trois passages. Dans son maman, Alitatu. Dans Matthieu 25, que nous avions lu le vendredi. Katika Matayo, makumi mbiri na tano, kwa sambatu risoma mkazitano. Du 1er au 13e verset. Kwanzia kumstari wa kwanza, adi wa kumi na tatu. Et puis nous lirons dans Apocalypse 19. Kisha tutasoma katika ufunuo kumi na tisa. Du 7e au 9e verset. Kwanzia kumstari wake wa saba, adi enfin, wa tisa. Enfin, dans Apocalypse 4, na mwishayo ufunuo sura yake ya 4, le premier verset. Mstari wake wa kwanza. Matthieu 25. Matayo makumi mbili na tano. Lisons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent
et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, les pots arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. » Amen. Amen. Apocalypse 19. Ufunuo 19. Du 7e au 9e verset. Kuanzia mstari wa 7 hadi wa 9. Nous lisons. Tunasoma. Réjouissons-nous. Tufurayeni. Soyons dans l'allégresse et dans lui gloire. Natuwe katika shangwe na tumpatie utukufu. Car les noces de l'agneau sont venues. Kwa sababu karamu ya mwana kondoo imefika. Son épouse s'est préparée. Na bibi harusi wake ameditayarisha. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pu. Avishwe na kitani safi na ya kwangaa. Car le fin lin, kwa sababu kitani mzuri, ce sont les œuvres justes des saints. Ni matendo ya sawa ya watakatifu. L'ange me dit écrit. Malaika kanyambia andika. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis le Médi, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. J'ai sauté, j'ai dépassé, il fallait arrêter à 9. Maintenant, Apocalypse 4. Sasa ufunuo sura yake ya 4. 1. Mstari wake wa kwanza. Après cela, je regardais. Kisha ile nikatazama. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. Naoneni mlango ilikuwa wazi kumbingu. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette. Sauti ya kwanza nilisikia kuninenea kama sauti ya baragumu. Dit. Ikasema. Monte ici. Panda hapa. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous continuons avec notre message. Nous sommes en train de parler comme thème dans l'invitation, mwenyewe, de l'invitation au souper des noces de l'agneau. Tukunasemea kama tema aliko kukaramu ya mwana kondo. L'invitation au souper des noces de l'agneau. Aliko kukaramu ya mwana kondo. Amen. Amina. Amen. Amina. Et le sujet que nous avions commencé pendant la semaine. Na ajili yenye tulianza katikati ya juma. Disons que l'épouse de Jésus-Christ bibi harusi wa Yesu Christ doit elle-même se préparer. Anapasha kujitayarisha peke yake. Nous avons suivi. Tulisikia. Et nous connaissons tous. Na tunajua sisi wote. Que Dieu, dans chaque âge, a toujours appelé ses enfants à la fête de la Pentecôte. Ya kusema. Mukila kizazi Mungu analikaka kwa watoto yake kukaramu. Il leur adresse toujours une invitation. Anawatumiaka kwa aliko. C'est un appel de miséricorde. Ni wito wa rehema. Et très souvent, na mara mingi, les gens ont des excuses. Watu weku na masababu pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Jia kukatala kwa kuitika ku wito wa Mungu. Amen. Amina. Et dans Matthieu 22, comme nous l'avions vu le dimanche passé, ce grand roi qui fit un festin pour son fils, rappelez-vous que c'était une parabole. Jésus donne des enseignements
en symbole. Yesu analetaka mafundisho kama mfumbo. C'est ça une parole, il y a un enseignement. Il est njo mfumbo kuko kwa mafundisho fulani. Ce grand roi là, ule mfalme mkubwa, c'est le roi suprême, le ni roi mfalme wa juu, mfalme wa wafalme, le Dieu suprême. Ni Mungu wa juu. Amen. Amina. Le grand Elohim. Ule Elohim mkubwa. Il fit le festin pour son fils. Akatayarisha kwa karamu juu ya mwanake. Et les gens étaient invités. Na watu warialikwa. Ils se sont excusés. Lakini warionesha masababu. Mais lakini il avait tué ses bœufs. Arikwasha kuchinja bangombe zake. Il avait tout préparé. Arikwasha tayarisha kila kitu. Il y avait des bœufs et des bêtes grasses. Kulikuwa wa ngombe na wanyama wa mafuta. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Lakini walikwa hawakustahili. Alors il demanda à ses serviteurs d'aller dans les rues. Pale akaomba inviter les malheureux. Wende katika mabarabara waliko walikwe watu wale wa maskini wale wanyikwa walema à venir au souper. Wakuye kukaramu. On les a invités. Wakawalika. Et nous avons vu comment le mariage était organisé en Orient. Na tuliona namuna kanindoa barikuwa naitengeneza kule kwa asubuhi. Quand il y avait un mariage, wakati kulikuwa ndoa, l'époux wanarusi en lançant les invitations. Wakati anaanza kukabula watu maaliko, préparait en même temps les robes des noces à donner à ses invités. Arianza tena kutayarisha mavazi wala mankanzu ya kuingia nayo mkaramu. Et quand les invités venaient à la fête, na wakati waliko waranza kufika kukaramu, ils se présentaient à l'entrée, waranza kufika ni kumlango, ils montraient leur invitation. Wanaonesha aliko yao, alors on leur donnait des robes. Na pale waranza kubapatia nkanzu. Ils revêtaient ces robes. Walikuwa na vishwa na ile nkanzu. Et entraient dans la salle des noces. Na wanaingia mchumba ya karamu. Et quand le roi, après que la salle fut pleine, na wakati mfalme kisha nyumba kuyala, il a commencé à passer en revue. Akaanza kwenda na kupita sasa kumameza njoko tazama watu. Il a vu un invité. Akaona mtu moja qui n'avait pas d'habit de noces. Ula shikukuye na vazi ya harusi. Il a posé la question. Akamuuliza, mon ami, rafiki yangu, comment es-tu entré ici? Namuna kani unengia umu sans habit de noces. Bila vazi ya harusi. Et frère Branham nous a montré na ndugu Branham anatuonesha que cet homme, ya kusema ule mtu, c'est qu'il n'était pas entré par la porte. Cho kusema ashikuingiria kumlango, parce qu'à l'entrée principale, kwa sababu kuile mlango ya c'est là où il y avait des robes. Ni kule ndio kulikuwa mankanzu. Tout celui-là qui entrait par la porte, mtu yoyote anaanza kuingiria kumlango, recevait sa robe, anaanza kupokea kanzu yake, et la revêtait, na anaanza kuvishwa nayo. Il pouvait entrer tu ya kuingia et habillé. Anaanza kuingia mwenye kuvishwa. C'est que cet ami là, cho kusema ule rafiki ule, n'était pas entré par la porte principale. Ashikuingiria kumlango ya mbele. C'est qu'il était entré par la fenêtre. Yani aringiriaka ataku fenêtre. Ou par une porte de derrière. Wala kumlango ya kule nyuma. Et frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, il appelait mon ami. Arimuita rafiki wangu. Donc il était membre de l'église. Yani alikuwa mwanamemba wa kanisa. Il dit, anasema, être membre de l'église c'est bien. Kuwa mwanamemba wa kanisa ni mzuri. Mais cela ne suffit pas. Lakini ile sio basi. Ce n'est pas le but. Aina kifukuzio. Vous devez munapashwa être vêtu de la robe. Na ile nkanzu. Vous devez naître de nouveau. Munapasha kuzaliwa upya. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Munapasha kuwa na Roho Mtakatifu. Mais lui s'est contenté d'être seulement membre de l'église. Lakini yeye alifurahi tu kuwa mwanamemba wa kanisa. Il venait tous les jours à l'église. Alianza kuja kila mara kwa kanisa. Il est membre fidèle. Alikuwa mwanamemba mwamini. Mais sans le Saint-Esprit. Lakini bila Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est la promesse faite aux croyants. Ni ahadi yenye kufanyiwa waamini. Quand Jésus vous invite, wakati Yesu anakualika, sachez qu'il y a le Saint-Esprit préparé pour vous. Jua ya kusema kuko robe. C'est la robe des noces que vous devez avoir. Ya harusi. Vous devez être habillé. Unapashwa kuvishwa. Amen. Amina. Amen. Amina. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Comme tu n'es pas habillé. Sabile auna mwenye kuvala. Voyez comment Dieu est sévère. Munaona namna kani Mungu ni mukali. Pourquoi ne pouvais-tu pas dire bon, comme tu es déjà entré? Namuna kana shikupatia sasa kuingia. Contamine la robe ici. Non. Wakuletee kanzu hapana. Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini?
Liez-lui les pieds et les mains. Faites quoi? Jetez-les dehors. Là où il y a des pleurs et des grincements. On l'a pris. On l'a jeté dehors. Et frère Barab dit, les pleurs et les grincements dedans là. C'est la tribulation. Vous n'allez pas entrer dans l'enlèvement. Vous serez pas enlevé. Et le souper des noces, le prophète dit, aussi sûr que Dieu existe, il y aura le souper des noces qui sera servi où? Au ciel. Il y aura un enlèvement. Beaucoup de gens ont oublié la prédication de l'enlèvement. Dans notre lecture, il dit, comme l'époux tardait, c'est ça le problème. Comme ça tarde, même les sages, les vierges sages, elles avaient de l'huile. Mais elles ont fait quoi? Ils se sont endormis. Heureusement pour elles, elles avaient de l'huile. Mais les autres, les folles, mais elles étaient vierges. Elles se sont aussi endormies. Il y a quelque chose qui fait. Qui amène le réveil, qui a amené le réveil en ce temps de la fin, c'est le cri de minuit. Voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. C'est quoi le cri de minuit? C'est ce message. C'est quoi le cri de minuit? C'est les sept sceaux ouverts. Amen. Amen. C'est ça qui amène le réveil au temps de la fin. C'est la trompette du septième ange. Au jour de la voix du septième ange. Quand il sonnerait de sa trompette, les mystères de Dieu vont s'accomplir. Tout le monde se réveille. Les autres commencent à chercher. Les autres avaient de l'huile. Et l'époux vint. Et les sages sont entrés. Et la porte de la salle de noces fut fermée. Bien-aimés frères et sœurs, faites tout votre possible pour entrer pendant que la porte est encore ouverte. La porte est en train de se refermer petit à petit. Attendant que la dernière bébé puisse entrer. Comme vous le suivrez le mercredi, frère Abraham le disant lui-même. Il dit, il ne viendra pas. Jésus ne viendra pas. Tant que la dernière bébé ne sera pas entrée. Amen. Amina. Dieu use de patience. Mungu eko na subiri. Parce que Dieu connaît les siens. Kwa sababu Mungu anajua wake. Il n'y aura pas une brebis de plus. Akusta kuya konto moja wa kuzidisha. Il n'y en aura pas une qui va manquer. Akusta kuya ta moja ula takosa. Si tu étais dans la pensée de Dieu, kama wewe ulitangulia kuwa mpango wa Mungu, tu seras là. Utakuya mule. Les enfants de Dieu, watoto wa Mungu, ce sont les pensées de Dieu exprimées. Wazo ya Mungu yenye kuelezwa. La parole Neno est une pensée exprimée. Ni wazo yenye kuelezwa. Tu ne seras jamais la parole Neno si tu n'étais pas une pensée. Kama bado hakukuyake wazo. Si tu étais une pensée en Dieu, kama wewe ulikuyaka wazo, tu vas être exprimé sur cette terre comme étant la parole utonekanisho de Dieu. Pa kama neno la Mungu. Tu seras une lettre écrite. Utakuwa barua yenye kuandikiwa. Et lue de tout le monde. Na yenye kusomewa na watu. Quand wote, les gens te regardent, ils lisent la Bible. Tu es la parole, l'épouse de Jésus-Christ, c'est la parole. Vous avez déjà vu la photo de l'épouse? Qui a déjà vu ça? On a dessiné ça. Je pense prochainement on va nous mettre ça ici. Les écritures. Et est la parole. Comme son époux est la parole. L'homme et sa femme sont un. Si vous voulez connaître un homme,
peut faire beaucoup de bruit. Mais regardez sa femme. Sa femme reflète ce qu'est cet homme. Nous aussi nous devons refléter le caractère de notre épouse céleste. Jésus-Christ. Amen. Amina. Amen. Amina. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, Léo, c'est le temps de l'union. Nous sommes invités à un mariage. Et le mariage se fait sur la terre. Là où nous irons, c'est au souper des noces. Amen. Amina. Dieu a d'abord ajouté une gerbe. Mungu aritikisa koganda moja. La première qui est arrivée à maturité. Ya kwanza ile ilifika mukukomala. La première qui a été unie à Christ. Ya kwanza ile ilifika mukungana na Kristo. Cette gerbe a tellement été unie à Christ. Ile muganda iliungana kabisa kabisa na Kristo. Que les gens l'ont confondu. Na watu wakafurukwa. Non, c'est l'époux. Wakaanza kusema c'est lui Jésus. Bwana harusi ndio Yesu mwenyewe. Il n'est pas Jésus. Lakini yeye si Yesu. Mais il est marié. Lakini ni mwenyewe. Il reflète Jésus. Il accomplit les œuvres de Christ. Jésus s'est même voilé en lui. Amen, amen, amen. Comme la, c'est la première gerbe. Dans le champ, il y a d'autres gerbes qui vont aussi se marier à Christ. Amen. 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 Le mariage s'est fait sur la terre. Le souper des noces au ciel. Na chakula ya harusi ni kumbingu. C'est une fête qui durera combien de jours? Ni karamu yenye itapita kadiri ya masiku ngapi? 3 ans et demi. Miaka 3 na semu. 3 ans et demi. Miaka 3 na nusu. Et puis nous rentrerons sur la terre. Na kisha tutarudia pa dunia. Amen. Amina. Amen. Amina. Maintenant nous insistons sur ceci. Sasa tukuna kazia pa hii. Suivez ce que frère Manam dit. Sikilize ni kile dans le message Apocalypse chapitre 4. Katika ujumbe Ufunuo première sura partie semu ya tatu, qu'il avait prêché le 31 décembre 1960. Frère Branham dit, Nduku Branham anasema, au paragraphe 90 ou 90, ukipindi 90. Suivez. Sikilize. Écoutez ce que dit cette écriture-ci. Sikilize ni kile hii andiko inasema. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Frère Branham dit, saisissez-vous cela. Qui a saisi cela? Qu'est-ce que vous avez saisi? Qui peut répondre? Qu'est-ce que vous avez saisi? Oui, c'est que son épouse, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Acclamons un peu pour le frère, il est attentif. Frère, vous avez saisi ça? Son épouse s'est préparée. Donc c'est la préparation. C'est à ça que frère Branham attire notre attention. Il dit, saisissez-vous cela. Dit, réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Il dit, saisissez-vous cela. Les noces sont venues. Anasema harusi inakaribia. Son épouse s'est préparée. Na bibi harusi wake amejitayarisha. Saisissez-vous cela. Eti mnashika ile. Est-ce que vous saisissez? Saisissez-vous cela. Eti mko nashika ile. Qu'est-ce que vous saisissez? Ni kitu kani mnashika. Les noces de l'agneau sont venues. Karamu ya harusi imefika. Et son épouse s'est préparée. Na bibi harusi wake amejitayarisha. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Na ilimupewa avishwe na kitani mzuri. Éclatant pur. Na yenye kuangana safi. Car les fins lin ce sont les œuvres justes de ça. Kwa sababu kitani nzuri ni matendo mema ya watakatifu. Gloire à Dieu. Ndugu Branham anasema utukufu kwa Mungu. Et l'ange me dit. Anasema malaika akanyambia. Heureux. Waheri. Ceux qui sont appelés. Ni wale wenye kualikwa. Au festin des noces de l'agneau.
Qui croit qu'il était invité au fait? Si vous croyez, dites amen. Kama unamini, sema mina. Dites je suis invité. Sema niku mwenye kwa likwa. Je suis invité à la fête. Sema niku mwenye kwa likwa kukaramu. Je suis invité au souper des noces de l'agneau. Niku mwenye kwa likwa kukaramu ya arusi ya mwana kondoo. Dites-le avec foi. Sema ile na imani. Je suis invité au souper des noces de l'agneau. Niku mwenye kwa likwa kukaramu ya arusi ya mwana kondoo. Je suis invité. Niku mwenye kwa likwa. Et la parole déclare heureux. Na neno inasema, ceux qui sont appelés. Waeri ni wale l'invitation, c'est ça l'appel. Aliko njo wito. C'est ça l'appel. Njo wito. Heureux. Waeri. C'est la Bible qui le dit. Ni Biblia njo nasema. Waeri. Ceux qui sont invités. Ni wale wenye kualikwa. Ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Wale wenye kuitwa kukaramu ya harusi ya mwana kondoo. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Na malaika akasema, aya maneno ni maneno ya kweli ya Mungu. Dites à votre voisin, je suis heureux car je suis invité au souper. Ambia jirani wako niku waheri kwa sababu niku mwenye kwa likwa kukaramu ya harusi ya mwana kondoo. Je suis heureux. Dites je suis heureux. Sema niku waheri. Je suis heureux. Niku waheri. Parce que kwa sababu je suis invité. Niku mwenye kwa likwa au festin des noces de l'agneau. Kukaramu ya harusi ya mwana kondoo. Nous devons être heureux. Nous devons nous réjouir. Tu n'as pas à kufurai. Si vous êtes heureux, réjouissez-moi. Acclamez un peu fortement. Et il est dit, ce sont les véritables paroles. Na imesemwa ni maneno ya kweli ya Mungu. Ça, et ce sont les véritables paroles de Dieu. Aya ni maneno ya kweli ya Mungu. Dans Matthieu 24, 35, il est dit, Mumatayo, le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passent. Imasemwa, mambingu na inchi bitapita, lakini kamwe neno la Mungu aistapita. Si vous êtes invité, kama woku mwenye kwa likwa, bienvenue si tu es invité, tu es heureux. Bienvenue, kama woku mwenye kwa likwa, uku waheri. Pierre. Pierre. Et tu es heureux? Waheri. Tu es heureux si tu es invité. Waheri, kama woku mwenye kwa likwa. Nick. Luc. Tu es heureux? Waheri. Oui. Ndio. Si vous êtes invité, kama woku mwalikwa, vous devez être heureux. Unapasha kwa waheri. Amen. Amina. Ce sont les véritables paroles de Dieu. Ni maneno ya kweli ya Mungu. Alors il dit maintenant, 91. Anasema sasa, ainsi, kwa hivi, il y aura une rencontre dans les airs un de ces jours. Kutakuyako kupatana mawingu mumoja ya masiku. Bientôt là. Muda si muda hapa. Soyez simplement prêts. Muwe tu tayari. Soyez prêts. Muje tayari. Apprêtez-vous. Muje tayarishe. Débarrassez votre cœur de toute pensée mauvaise. Ondosha moyoni mwako mawazo yote mbaya. Vous voyez la préparation. Munaona matayarisho. Soyez prêts. Muwe tayari. Soyez prêts. Muwe tayari. Il y aura une rencontre. Kutakuya kukupatana. Dans les airs. Katika hewa. Il y aura une rencontre. Kutakuya kukupatana. Dans les airs. Mwe ani. Un de ces jours. Mumoja ima siku. Bientôt. Muda si muda. Soyez simplement prêts. Muwe tu tayari. Apprêtez-vous. Muji tayarishe. Débarrassez votre cœur. Mondosha moyoni mwenu. De toute pensée mauvaise. Mawazo yote mbaya. Ayez foi en Dieu. Mungu. Peu importe combien il vous semble qu'il fait sombre et combien on se moque de vous et on vous ridiculise en disant que vous avez commis une erreur, continuez simplement de mener une vie sainte et de vivre pour Dieu. Continuez simplement à aller de l'avant. L'heure viendra. L'heure va venir. Le Seigneur Jésus que nous aimons, celui qui nous a sauvés, celui pour qui nous marchons, celui pour qui nous nous sacrifions, un jour vient où nous les rencontrerons dans les airs et nous les verrons face à face. Un jour vient. Mais continuez simplement à faire quoi? À vous préparer. Soyez prêts. Débarrassez votre cœur de toute mauvaise pensée.
ôter toute racine d'amertume et de péché dans votre cœur. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs. La préparation. Matayarisho. La préparation. Matayarisho. Prenons encore les noces de l'agneau. Tuchukue tena karamu ya arusi ya mwanakondo. Au paragraphe 28. Kipindi 28. Il est dit. Imesemwa. Si vous remarquez bien. Kama mnaona mzuri. Il est dit. Imesemwa. Elle s'est elle-même préparée. Amejitayarisha peke yake. Croyez-vous les prophètes? Naamini nabii. Voulez-vous grandement dire amen? Unaweza kusema amina kubwa. Elle s'est elle-même préparée. Amejitayarisha peke yake. Beaucoup de gens disent, si le Seigneur me délivre de ces mauvais esprits, s'il me délivre de la boisson, ou s'il me délivre des jeux d'argent, ou du mensonge, ou du vol, je le servirai. Mais cela dépend de vous. Le prix a déjà été payé. Amen. Amina. Le Seigneur Buana a payé le prix pour notre délivrance totale. Si tu es menteur, c'est toi-même. Si tu continues à être voleur, c'est toi. Tu aimes le vol. Tu aimes la débauche. Le Seigneur a déjà payé le prix. C'est pourquoi pendant cette semaine, venons dans la fête. Venons nous examiner. Ça fait 2000 ans que le prix a été payé. La puissance accompagne ce message. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu es toujours menteur? Tu es toujours voleur. Tu es toujours impudique. Toujours débauché. Pourquoi? Tu es haineux. Tu es jaloux. Tu n'aimes pas que ton frère prospère. Alors qu'un vrai fils de Dieu, avec l'esprit de Dieu en lui, quand son frère se réjouit, il doit se réjouir. Quand ton frère pleure, tu dois pleurer. Quand ton frère est triste, tu dois aussi t'attrister. C'est ça l'esprit de Christ. Jésus est allé au deuil. Quand son ami Lazare était mort, les gens pleuraient. Jésus est allé à la tombe. Jésus a pleuré. Il était homme à 100%. Il avait pleuré. Mais après avoir pleuré, alléluia, alléluia, il a démontré que ce n'était pas un homme comme tous les autres. Il a prononcé la parole. Il a dit, Lazare sort. Et le mort a entendu la voix du maître. La mort a lâché prise. Les portes de la mort se sont ouvertes. Les chaînes de la mort qui entouraient Lazare ont été brisées. Lazare est sorti. Il a dit, enlevez-lui les linges. Amen. Amina. Lazare est ressuscité. Lazare akafufuka. Si nous sommes enfants de Dieu, quand les gens pleurent, nous devons pleurer avec eux. Quand quelqu'un se réjouit, c'est la joie. Ni fura. C'est la joie. Ni fura. C'est la joie. Ni fura. Ah mon frère, oh, tu as acheté le véhicule. Ah, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Ton frère vient avec son véhicule clash. Le jour là, tu le salues. Il est chic. Il commence à se vanter parce qu'il a acheté la voiture. Regarde sa robe là. Ça ne la va même pas. Regarde. Ce qui te fait parler là, tu sais c'est quoi? C'est un démon qui est en toi. Il faut venir pour que la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu puisse chasser ces démons. Il n'y a pas de démon qui est en toi. Amen. Amen.
Amen, amen, amen. Amina, amina. Ça dépend de vous. Ile inakuangaliria ni wewe. Si vous prenez la chose au sérieux, vous verrez vous-même. Kama unachukua ile na mafaa yote, utaona wewe mwenyewe. Vous serez béni. Utabarikiwa kweli kweli. Très richement. Kubarikiwa spirituellement. Mujiro. Physiquement. Hata mujiacha. Matériellement. Hata mujivitu. Même financièrement. Hata mujipesa. Le Dieu qui bénit l'esprit, Mungu le nabariki roho, il bénit aussi le corps. Eku nabariki hata mwili. Le Dieu qui guérit là, Mungu ele kuna ponya, il est capable de multiplier les pains. Eku na uwezo wa kuzidisha mikate. Il a dit qu'il nourrit les oiseaux des cieux. Anasema eku na lisha hata mandege ya anga. Il revêt l'herbe de champ. Eku na visha hata maua ya pori. Est-ce qu'il peut être incapable de te nourrir lui? Eti anashinda uwezo ya kukurisha wewe. Lui qui avait frayé une fois la voie, là où il n'y avait pas de voie. Tu n'as pas de travail. Je vais te donner le travail de façon miraculeuse. Tu n'as pas de mariage. Je vais te donner le mariage. Un bon mariage. Tu n'as pas d'enfant. Mais Dieu, il est le grand donateur. Tout est possible à celui qui croit. Il te sera fait selon ta foi. Ton bonheur dépend de toi. Ton salut dépend de toi. Ta délivrance dépend de toi. Ton élévation dépend de toi. Hata kuinyuliwa kwako kunakuangalia paka wewe. Dieu est ici. Mungu yuko hapa. Dites à votre voisin, Dieu est ici. Ambia jirani wako, Mungu yuko hapa. Dieu est ici. Mungu yuko hapa. Dieu est ici. Mungu yuko hapa. Dieu est ici. Mungu yuko hapa. Le grand chemin de miracle. Uye yomo mkuu wa miujiza. Où est-il? Est-il mort? Est-ce que le Dieu des miracles? Le chemin des miracles? Où est-il? Est-il mort? Où est-il? Il est ici. Il est à moi. Toi, prononce la parole et il accomplira. Oh bien-aimé frère et sœurs, Jésus est ici. Il est ici. Soyez comme cette femme. Comme cette femme-là. Elle a dépensé son argent. Elle a dépensé son argent. Elle a souffert beaucoup de pendant longtemps. Mais quand elle arrive, là où Jésus était, les gens le touchaient. D'autres le voyaient. Il est ici. Mais elle a regardé. Il est ici. Mais j'ai un problème. Elle s'est faufilée.
Ta présence au milieu de nous. Chacun de nous t'a touché avec sa main de foi. Et je crois que tu as exaucé nos requêtes. Tu as exaucé nos besoins. Tu es le Dieu immuable. Agissant de façon inattendue. Ce que nous avons demandé, tu nous l'as accordé. Mais cela viendra en ta manière à toi, Seigneur. Ouvre notre entendement pour que chacun de nous puisse voir l'exaucement de sa prière. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs. Vous qui êtes à l'hôtel, vous pouvez regagner votre place. C'est la semaine de Pâques. C'est le passage de l'état d'esclavage à l'état de la liberté. De la maladie à la bonne santé. De la disette à l'abondance. De l'échec à la réussite. De défaite à la victoire. De ténèbres à la lumière. De la mort à la vie. Car c'est la résurrection. Maintenant, mon frère, ma soeur. Peut-être tu n'as jamais pris position pour la parole. Je t'invite maintenant à prendre ton engagement. Si Dieu t'a touché et tu es convaincu que c'est la vérité qui a été prêchée et que tu as accepté ton invitation, je voudrais te préparer pour entrer par la porte et avoir ton habit de noces. Si tu veux t'engager maintenant, lève ta main.
Kama napenda kuchukua mpango inua mkono wako ndio kupeleka maisha yako kwa Kristo. Que Dieu te bénisse ma sœur, que Dieu te bénisse mon frère. Mungu akubariki dada yangu, Mungu akubariki ndugu yangu. Je vois des mains levées. Naona mikono yenye kuinuka. Vous pouvez passer ici à l'hôtel. Venez à l'hôtel. Hawezi kuja huku kwa madhabahu. Alors que nous chantons. Wakati tukunaimba. Que Dieu te bénisse mon frère. Mungu akubariki ndugu yangu. Si vous avez entendu sa voix. Kama unasikia sauti yake. Tandis que c'est pas votre cœur. Ushikaze moyo wako. Seigneur m'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Et Mungu mwenye nakuita. C'est ton invitation. Hii ni aliko yako. C'est ton jour de délivrance. Yo siku ya wokovu wako. C'est ton jour de délivrance. Yo siku ya ukombozi wako. C'est ta résurrection. Ni ufufuko wako. Je veux te suivre dans le bon et mauvais jour. Que Dieu te bénisse ma sœur, avance. À toi pour même si vous êtes à vous au balcon, vivre. Si vous êtes au balcon, descendez dans le pour toujours jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre. C'est un engagement. C'est une semaine spéciale. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse ma soeur. Mourir et vivre. À toi Jésus pour toi. Que Dieu te bénisse mon frère. Le chemin du calvaire est étroit et périlleux. Oh, c'est un chemin solitaire. Vous venez au balcon, descendez rapidement. Ici, jusqu'au bout, au bout, je vais te suivre. Dans le devant. Avant que nous puissions prier. Avance. Dieu au balcon descend rapidement. Aidez-le à descendre là-bas. Il s'ajoute encore. Un engagement solennel. Te Dieu est ici. Jésus-Christ est au milieu de nous. Jésus-Christ est au milieu de nous. Tu peux le toucher par ta main de foi. L'injure même du monde être méprisé. Nous avons huit âmes devant. Je vais te suivre. Cinq frères et trois sœurs. Dans les bons et mauvais jours. Oh, à toi pour
l'appel, à cette invitation que tu leur as adressée pour avoir part au souper des noces de l'agneau qui sera servi au ciel. Seigneur Jésus, ils n'ont pas eu honte de toi devant les hommes. Puisses-tu, ô Dieu, les bénir pour cette décision et cet engagement qu'ils viennent de prendre, pour tout abandonner et te suivre. Tu avais payé le prix pour notre délivrance, notre guérison. Beaucoup de gens disent, si Dieu peut nous délivrer de la boisson, du mensonge, des mauvaises habitudes. Mais les prophètes nous disent, cela dépend de vous. Seigneur, assistez chacun de nous dans sa vie quotidienne à vivre pour toi, à combattre, à rejeter le fardeau qui l'enveloppe si facilement, à rejeter le mal et à suivre le bien, à faire le bien. Bénis ces âmes, bénis les Seigneurs. Ils vont prendre leur baptême en ton nom, Seigneur. Alors qu'ils seront baptisés dans l'eau, puisses-tu préparer leurs âmes à recevoir le Saint-Esprit. Bénis chaque fils, chaque fille, chaque homme, chaque femme qui a reçu ta parole. Que cette parole puisse le réveiller. Que cette parole puisse disposer chacun de nous à passer cette semaine sainte, cette semaine spéciale, plus près de toi, pour être associé à ce grand événement, être associé à ce que tu avais fait pour nos pères ce jour-là. Nous voulons, ô Dieu, être témoin de ta grande délivrance. Nous voulons passer de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, de la maladie à la bonne santé, de la disette, de la sécheresse à l'abondance, à la prospérité. Seigneur Jésus, nous voulons passer de la mort à la vie. Que la puissance de Dieu puisse vivifier en nous tout ce qui était mort. Que nos membres soient vivifiés, que nos âmes soient vivifiées, que nos corps soient vivifiés. Que la puissance de Dieu chasse les maladies, les esprits méchants, les démons tourmenteurs qui tourmentent nos vies, qui tourmentent nos cœurs, qui tourmentent nos foyers, nos activités, nos maisons. Nous avons besoin d'une délivrance totale. Bénis les uns, bénis les autres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Après réunion, vous allez revenir ici devant. Que Dieu vous bénisse acclamant fortement. Que tu puisses accorder à cette église, ô Dieu, des bénédictions multiformes et les bénédictions multidimensionnelles, Père. Que ta paix qui surpasse toutes choses reste avec ces peuples, Père. Que tu puisses les garder toujours dans l'unité, Seigneur, derrière le berger et autour du berger, Père. Qu'ils puissent les soutenir. Oui, Seigneur, comme Aaron et Hur avaient soutenu les bras de Moïse. Qu'il en soit ainsi pour cette église, Seigneur. Que celui qui est faible devienne fort. Que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Que celui, Seigneur, qui est tombé, soit relevé. Une fois de plus, bénis cette église. Bénis son pasteur. Bénis les officiers. Et que la gloire te revienne à tout cela. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.